le jeu, je le déroule vraiment, vraiment de mieux en mieux là. Il a déconnecté de la game, les gars. Ce haineux a déconnecté, les gars. Je comprends pas d'où ça vient, les gars. Putain. On est d'accord qu'il a pas de Kevlar et je viens de lui mettre une vingtaine de hits. Oh là là. 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 Guys, je suis pas descendu au bon moment, les gars. Je suis pas descendu au bon moment. À l'époque, de descendre à ce moment-là, c'était celui qui tirait en premier qui gagnait. Même si j'ai tiré en premier, si même assiste entièrement, comme là ça vient de se passer, je peux pas gagner. On va se refaire la cerise tranquille. Ils ont frappé fort, mais la revanche est imminente. Il attend allongé dans l'ombre avec un skin sombre. Les gens viennent prendre le contrat parce qu'il sait que les gens vont le vouloir, ce contrat. En fait, c'est ça, lui, sa stratégie de jeu, c'est ça. Il campe un shop, passe sa game entièrement allongée, c'est le roi. En gros, je pense qu'il passe la plupart de sa game à looter, histoire d'avoir ses deux armes. Il fait 10 000 balles, histoire d'avoir ses deux armes. Puis après, il trouve un endroit pas loin d'un shop avec un contrat. Et il passe le reste de sa game. Mais tu sais que je suis persuadé que ce genre de joueur, ça fait un nombre de top 10. Genre, c'est incroyable. Regardez, les gars, regardez. Il y a un autre mec qui arrive. Regardez. Il a même pas vu ce noob. Là, il va atterrir, le mec. Oh ouais, yes. Oh merde. C'est incroyable. Donc lui qui était au sol à l'extérieur, il est pas mort.
Mais le mec à l'intérieur, il est mort de la frappe. C'est vachement intéressant en plus pour moi, parce que je sais face à quel type de joueur je suis. Parce que je sais que dans mes lobbies... Oh mon dieu. Il a 4 kills, c'est 4 kills de lâche. C'est horrible. Alors quoi? Il s'allonge parce qu'il y a un mec qui est passé dans les airs. Sinon, dans les autres lobbies, ils sont tous comme lui. Ils avancent à 4 accroupis comme as. Là, on serait en quatuor, il y en aurait un dans chaque angle. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Ça, c'est du joueur Call of Duty. Merci de nous proposer ce gameplay. Pex Renzi. Et Pex Renzi qui... Oh là là, c'est beau, c'est beau. C'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Il a réussi à tuer 5 personnes, les 5 dans le dos. Avec un chargeur entier dans le dos. Il regarde derrière, il ne voit rien, c'était une mouche. Là, les gars, il est en train de lâcher des petits... Là, t'entends des... Il y a des petits pets de stress qui partent. Oh là là! Oh là là! Apex Renzi qui est démasqué et qui se fait finir par Gogeta. Gogeta qui a le skin tryhard, une arme en or... Et qui a moins de kills que Renzi. Il voit qu'il n'est pas en zone. Il va partir par la flotte, par les détritus. Est-ce qu'il va s'acheter une deuxième arme? Est-ce qu'il va s'acheter un drone? Est-ce qu'il va s'acheter des plaques? Rien du tout. Et il avance, les gars. Monstrueux. Esquive d'une balle de sniper. Deuxième esquive. Il n'y avait pas de balle, il s'en fout. Bah, là, il sprint. Il court comme il n'a jamais couru de sa vie. Bam, il escalade. Ses mouvements. Voilà la voiture. C'est des péchos et gras qui sont en train de sortir. Gogeta qui se colle. Et là, il arrête de sprinter. La touche sprint qui disparaît. Oh, mais c'est terrible. Et il recule en marche arrière. Parce que, comme les chiens, il se frotte le cul au sol pour se décrasser le trou de balle. Gogeta à la décale. Gogeta à l'IM. L'IM, Gogeta. Et Gogeta qui d'un seul coup se prend pour un slayer parce qu'il a craqué le mec. Gogeta qui slay. Gogeta qui y va à fond. Gogeta qui n'a pas l'information. Il va bientôt repasser en viseur fixe. Hop. Hop. Et Gogeta qui s'enfuit. Gogeta qui est repéré. C'est horrible pour Gogeta. C'est la panique. Et Gogeta qui tombe. Gogeta qui est dans le gaz avec un masque en or, mais qui se fait finir par Val Nonobi. Val Nonobi qui est en 1v1 contre Devil Spawn. Devil Spawn qui prend le kill sur Val Nonobi. Devil Spawn qui a 5 kills en ayant 2 backstabs. La décale, rapide, incisif, mais quel mouvement! Quel mouvement de la part de ce joueur! J'en perds les mots. Oh là là, la décale. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Et Devil Spawn qui prend le kill sur Dirty Penny Daysnurf. Devil Spawn, la frappe en fin de game. Est-ce qu'elle va faire mal? Elle ne touche pas, ils sont 3. 1v1. Devil Spawn qui prend la décale. Ah ben non, Devil Spawn qui reste allongé. Il attend que le 1v1 final se passe. Il va sûrement rusher sur eux. Il constate qu'il n'est pas en zone. Devil Spawn la décale. Attention, mais quel... Cette décale est incroyable. Oh là là, il le voit, il tire. Oh, quel kill sur Vitaly 75. Et c'est une rota aquatique dont nous avons lieu. Et il tombe sur l'autre joueur qui était en duel akimbo dans l'eau. Il est piégé. Il est fait tel un rat. Devil Spawn. Est-ce que l'autre joueur va mourir du gaz? Devil Spawn qui réanime. Devil Spawn qui nage. Qui nage pour sa vie. Mais c'est... Il sort de l'eau. Il est derrière toi. Alain Bernard, il est derrière toi. Devil Spawn sortir dans son dos. Ah, mais Alain Bernard, le dos solide, comme on le connaît, qui vient le finir. Alain Bernard qui gagne cette game, c'est mérité. Quelle partie, messieurs, quelle partie!